Diva de Cabert était très bien au niveau des canters. Et attention à ce numéro 2, Herbie Brun, qui pourrait peut-être répéter. Allez, on accélère gentiment pour le départ de cette deuxième course. Le 7 au galop, Diva de Cabert. Oh, Diva de Cabert au galop, la favorite. Ton père, la favorite au galop. C'est terminé pour la favorite qui perd énormément de terrain. Le 5, remise. Félicia Demerge, quel avantage. Avec le 3, excellent artiste en deuxième position. On retrouve ensuite Esprit de Yé, le numéro 6. Le 8 à l'extérieur, comme il faut. Je ne vois pas pour l'instant le numéro 7, Diva de Cabert, disqualifié. À l'arrière. Elle est à l'arrière et elle n'a pas été disqualifiée pour l'instant. Voilà, elle peut revenir peut-être avec Félicia Demerge en tête. Le 5 devant le 3, excellent artiste. Le 6 est là aussi avec le 8 en dehors comme il faut. Et puis coach de la côte, l'as vient 5e côté corde alors qu'il pleut très très fort pour l'instant et que le 4 étoile d'Adrika se maintient en 6e position. Ouais, on n'a pas disqualifié hein. Apparemment Diva de Cabert qui se maintient à l'arrière du peloton. Ça va lui laisser une deuxième chance, mais elle est loin. On aborde le deuxième tour dans cette épreuve avec le numéro 3, excellent artiste qui est en tête. En deuxième position à l'extérieur, nous avons le 8 comme il faut. Le 5 vient ensuite, bien placé. Il s'agit de Félicia Demerche avec Esprit d'Oyer qui vient en 4e position. Un peu plus loin, il y a l'As, coach de la côte, avec le numéro 4, étoile d'Aldrica. On se rapproche quelque peu à l'extérieur. Un wagon de 3 qui se forme avec notamment le numéro 16, Élixir du Lion, mais encore assez loin. Voilà, le 3, toujours excellent artiste, très facilement devant Félicia Demerche. Le 8 qui attend son heure comme il faut en dehors devant le 6, Esprit D. Ensuite, le 4, l'As. Et puis, retour quand même de Eureka Herblinet. Et en effet, le 2 se rapproche avec aussi Élixir du Lion, le 16. Allez, on est à un tour du but. Faute avec 9. Une faute du numéro 9 qui était à l'arrière du peloton. Très bel effort du numéro 15, Eureka Herblinet, qui est en train de contourner ses adversaires. Le 3 qui réagit bien, excellent artiste côté corde. En troisième position, nous avons le 5, Félicia Demerche. Le 8, comme il faut, en revanche, faute rentre 16. Dans le rang. On se rapproche maintenant avec le numéro 6, Esprit de Yé. On perd effectivement l'un des favoris, le numéro 16, Élixir du Lion. Allez, avec excellent artiste, toujours le 3 qui est en tête devant Eureka Herblinet, le numéro 15, ensuite le 5, l'attaque maintenant d'Esprit de Yé, le 6 qui vient 3e, on attaque de toutes parts, le 3, 15, 5, 6 de préférence pour l'instant, qui se détache d'ailleurs quelque peu. Le tournant final avec toujours excellent artiste qui a l'avantage assez facilement, il déploie de belles battues en deuxième position, le numéro 15, Eureka Herblinet, un extrême outsider, on ne réagit pas trop pour l'instant avec le numéro 6 qui a du mal, Esprit de Yé, on essaye de venir tout à l'extérieur. Oh. Avec la faute, le 13 qui se rapproche néanmoins en dehors, Explorer Queen. Alors que côté corps, nous avons également le numéro 5, Félicia Lemerch. Oui, avec la faute du 2, c'est dommage, il allait très très vite dans le dernier tournant. Et le 3, excellent artiste qui s'envole vers le succès. Très facile devant le 15, Eureka Herblinet. Ensuite, le 6 à la lutte avec Firoline, le 10 et le 5 et 5e, Félicia Lemerch. 3, 6, 15, 10 et... 5, qui sera peut-être 5e. Ou 13. Mais la victoire numéro 3, excellent artiste, le hit n'a pas trompé. Ah il non, était du tout, magnifique. Quelle belle victoire.